c'est bon. Oh, on dirait du Nutella. Mets le hamburger dedans, Oh, regarde, ça fait du jus, ça commence à faire du jus. Allez, oh, regardez. Ça sent l'hamburger. Ah, ça fait un jus de hamburger. Est-ce qu'on goûte? Salut! Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner et à cliquer sur la cloche. Et surtout, regarde la vidéo jusqu'au bout si tu veux que ton nom apparaisse dans la bulle magique d'une prochaine vidéo. Bon visionnage! Salut tous les amis! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis super contente de faire. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire, Stéphane, ou pas? Alors aujourd'hui, on s'est équipé, on a pris un maximum de choses. Alors explique ce qu'on a pris. On a des petits œufs de Pâques. Voilà, alors ça vous l'avez pas vu sur la miniature, c'est une surprise, c'est Pâques, donc œuf de Pâques. Et on a un burger de chez McDo. Alors le hamburger de chez McDonald's, le simple, voilà. Et on a... Non mais qu'est-ce que c'est ça? Explique un peu aux gens ce que c'est cette machine. Alors ça c'est un truc pour mixer. C'est une centrifugeuse, voilà. C'est pour faire des jus de fruits normalement. Mais nous on va mixer. On va mixer quoi? Un hamburger et des œufs. L'hamburger et les œufs, et on va faire des espèces de jus avec des purées. On n'a pas de verre. Ah, si, si. Bah, on a des trucs comme ça, on a les récipients. On a pris deux récipients, de l'eau pour faire les jus et le reste, voilà. Donc là, on va commencer avec les œufs. Mais avant, suivez-nous, c'est. Parti! C'est. Parti! C'est. Alors, on va commencer par les œufs. Et on va passer tout de suite après. Donc, on va essayer de faire un jus d'œuf. Moi, les 6, on va être content. Hein. Alors. Là, voilà, j'ai déballé les œufs. Elle a déballé les petits œufs. Alors, on va pas en mettre plus. Alors, si c'est bon, on en mettra plus. Mais comme je pense que ça va être catastrophique, on va rien faire. Donc là, on va les mouiller d'abord. Ouais, donc on va. Alors, pour les mouiller, ce qu'on va faire, c'est que tu vas les mettre ici. À l'intérieur? Non, ici, voilà, comme ça. Voilà. Tu vas tenir. Et moi, je vais renverser un peu d'eau. Voilà, l'eau de là. Fais attention parce que tes mains, elles sont un peu. Voilà. Et ensuite, on va brancher ça. Ah, c'est bon. Voilà. Donc, désolé pour vos oreilles si ça fait beaucoup ça de bruit. Ça pue. Ok. Désolé, ça va. Donc pas là, ça va pas sortir. Ce que tu vas faire. Est-ce que je mets l'eau dedans? On met pas l'eau? Non, on met pas l'eau. Non, pourquoi? Non, ça ira pas. Non. Alors, finalement, on a décidé de pas mettre d'eau ouais. pour avoir une texture plus chocolatée. Voilà, plus de voilà. chocolat. Et ensuite, alors, on va mettre en force 1 parce qu'il y a deux forces. Ouais. Donc là, on va les mettre d'abord. Vas-y. Ok, donc. Alors, essaie de ne pas renverser. Allez, mets les œufs. À l'intérieur? Non, mais renverse. On commence pas à mettre un par un. Là, les œufs. Ah, j'ai peur. Donc pourquoi t'as peur de ça? Là, on a mis les œufs. On a mis les œufs dedans. Force 1, mais ça sent chiffon. Ah, vas-y, appuie. Qu'est-ce que ça va donner? Je sais pas. Ah, oh, ça donne rien. Oh! Oh, on dirait du Nutella! Ça fait du Nutella. Attends, on réessaye un peu. Et là, je pense... Non, attention, stop. Ouais, donc ça fait une espèce de Nutella, c'est trop bizarre. Oh, regarde, mais what? Ça, c'est... Ouais, je pense qu'on devrait mettre un peu d'eau. Oui, chef. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant, Lily Rose? Après, on va mixer... Parce que c'est... L'hamburger. On va mixer l'hamburger. Parce que c'était très, très catastrophique. Les œufs en chocolat, ça a fait une espèce de Nutella dur. Bizarre. Ouais. Comme ce qu'il y a sur le tour du pot de Nutella, là, tu vois. Ouais. Du coup, là, on va le mettre quelques minutes dans l'eau. Donc, je pense que ça va se décomposer. Donc, je suis un peu deg. Attends, on devrait mettre un cure-dent ou un truc comme ça. Ouais. Pour pas qu'il y ait le... Pour le transpercer, pour pas qu'il se dégrade, pour pas qu'il parte un peu partout. Okay. Alors voilà, donc les cure-dents sont là et on va en mettre, je pense, 5. Ok. Un à chaque. 1, 2, 3, 4. Comme un carré, on va faire comme un carré et un au milieu. Enfonce-le et là. Non, appuie pas. Ok. Si il flotte, c'est pas grave. De toute façon, l'eau va monter. Donc voilà. Regardez ça, c'est bizarre, on dirait qu'il est immense. Ouais. Alors là, on l'a mis dans l'eau pour le ramollir et ensuite, on va le passer à la machine. Ah! Donc on vous retrouve dans 3 minutes. Alors Lily Rose, qu'est-ce qu'on va faire? Là on va mettre l'hamburger. Alors le hamburger. Là, allez, 3, 2, attends, je dois me dépêcher là. Alors montre, enlève les trucs. Il est dégueu. Tiens-le des deux côtés. Oui. Alors vite, mets le hamburger dedans. Allez vite. Il est dedans. Sinon il y a des gens. Filme. Rapproche-toi. Ah là là. Parce que là, en même temps, on est en direct sur la chaîne Pink Lily Life. Donc, attends. Oh, regarde, ça fait du jus, ça commence à faire du jus. Là, on va allumer. Mais non, là, c'est pas du jus, là. On allume. Allez. On allume. Oui. Allez. Oh.
Oh punaise. Attends, donc là on va voir ce que ça donne déjà. C'est ça fait une espèce de jus. Bon là on va voir ce qu'il y a déjà. Jus ultra bizarre. Oh attends, on va peut-être continuer après. Mais on regarde. Bah, pour alors ça montre à rien. La caméra, montre à la caméra. Oh il en reste. Ouais, donc, on va faire une deuxième impulsion. Oh, ça a l'air de la viande. On dirait de la viande. On dirait de la viande hachée. Je pense qu'on va le manger. Je pense non, on va tester, on va pas le manger, mais on va tester. Vas-y. Alors t'es prête? J'ai trop hâte. Là en vitesse 1. Ah! Ah! Top! Top! Alors, c'est ultra bizarre là. On a mixé la viande. On a mixé hamburger, ça fait une espèce de viande. Donc en fait, on est allé le chercher au McDo du coup. Bah, ouais, on est allé chercher au McDonald's, donc ça il fait reste ça. Plus rien. Alors, on va bien mettre ça. On va mettre ça correctement et on se retrouve une fois qu'on a mis ça dans une assiette pour faire comme si qu'on allait le manger, d'accord? Ouais. Donc on se retrouve tous deux. Si. Alors Lirose, est-ce que tu es prête? Ouais. Allez, lève-toi. Alors oula, tu salis tout à chaque fois. Alors là, on a décidé de faire quelque chose, c'est que on a deux choses déjà. Papa filme nous hein. Ouais. On a deux choses. C'est le jus de hamburger comme donc là, c'est vraiment un jus. C'est vraiment un jus qu'on va verser dans un verre et ça. Alors ça, ce qu'on va faire, suivez-nous hein, dans la vidéo, restez. Oui. Parce que ce qu'on va faire, c'est que... On va le mettre dans le on sachet. On va le remettre dans le sachet et on va le mettre au congélateur. Voilà. Donc, suivez-nous tout de suite. Ouais. Alors, là, vas-y, verse le jus de hamburger. Où ça? Dans le verre? Dans le verre. Oula, vas-y. J'ai peur. Attention, hein. Fais-le bien, parce que Lyros qui ne sait pas verser... montre attends, aux gens. Attends, on va voir si ça sent. Montre... Est-ce qu'on va le voir? Ah, ça sent regarde. Ça sent l'hamburger. Ah, ça fait un jus de hamburger. Est-ce qu'on goûte? Est-ce que je goûte? Ouais, vas-y, goûte. Non. Mais juste ta langue à la rigueur. Il veut pas. Ouais, parce qu'on est en live en même temps. Hein. Alors, est-ce que ça sent bon? J'aimerais trop goûter. Mais oui, ça sent trop bon. Ça sent trop bon. Alors, ouais. C'est comme une espèce de hamburger. Du smecta. Du smecta pour les connaisseurs. Et là, on a... Regardez. La bouillasse. Là, on a une espèce de bouillasse. Donc ça, on va le mettre au congélateur. Donc, mets tout sur le papier. Oh là 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 là. Avec ça. De toute façon, là, il est sel. Donc tu mets tout sur le papier. Crac, crac, crac des cocons. Allez. Alors là, on a fermé. Et on va le mettre au congélateur. Alors, je sais pas si on vous montrera ce que ça fait. Je sais pas si on vous montrera ce que ça fait. Mais ça risque d'être ultra bizarre. Du coup voilà, hein, c'est la forme d'un hamburger. Ouais, c'est la forme d'un hamburger. Donc c'est une espèce de hamburger mixé, mettez c'est trop bien. Likes. Ouais, mettez des likes, on essaie de combien de likes sur cette vidéo? 1000 likes. 1000 likes. Moi je dis 1500. On va OK. Voir. Et après on fait 2000. Un... 2000 likes. 2500. 2500 et on fait un épisode 2. Allez. Ouais. Donc on se retrouve tout de suite. Alors mettons ça au congélateur. Alors vas-y, mets ça, mets ah, la bouillasse. Et on espère que ça va faire une espèce d'hamburger bizarre. Ouais, l'hamburger. Allez, on le met, on le ferme et on le retrouve tout à l'heure pour l'outro et pour la bulle magique. Allez. Donc voilà. Alors, on a nettoyé tout ça parce que c'était dégoûtant. Ouais. Et là, du coup, on va déballer ce qu'on vous avait promis de faire, c'est-à-dire ouais. mettre donc au congélateur. À quoi ça ressemble? Cette bouille d'hamburger. Ça ressemble à rien. Ah, oh, on dirait de la chip parmentier un peu. Une glace. Alors, c'est une espèce de jus de... J'ai ah. pas envie. C'est de l'hamburger. Crash. Non, c'est bon au moins ou pas? Bah c'est le goût d'hamburger. C'est le goût d'hamburger donc attends. Apparemment c'est... Non, arrête. Donc je sais pas ce qu'on va faire avec... Non, crash. C'est pas bon. Ne mangez pas ça, hein. Peut-être que ça peut vous intoxiquer ou je sais pas donc quoi. Donc ça bien sûr, on l'a acheté exprès pour la vidéo. C'est pas du... voilà, c'est un peu de gaspillage. Mais c'est pas grave, parce qu'on va trouver quelque chose à faire avec, je pense qu'on va non, donner bah, à voilà, un chat. On va donner au chat, je pense. Allez. N'importe quoi. Donc on peut faire notre outro, on espère que cette petite expérience vous a plu. Allez. De moi, j'espère que... La bulle magique. La bulle magique, allez. Alors, la bulle merci magique. Merci beaucoup à... Oula, elle a failli casser. Merci beaucoup à... À... Shibu. À Mariam, à Yasmine, à Milan, à Océane, à Pascal, à Inès, à Natalia, à Luna, à Lindsay, à Makini, à Pierre, à Manon, à Didier, à Patricia, à Soukena, à Laurie et à Angélique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu.
vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Bye bye, bye. Salut.